Hey, welcome. Yo les potes Sandy, comment ça va? Moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve sur la Obscure Clan. Et ça fait longtemps, ça fait très longtemps, 2 semaines, 3 semaines je dirais, que je vous ai pas retrouvé sur la Obscure Clan. En tout cas t'inquiète même pas que je reviens avec du lourd, puisque j'ai un sujet qui va plutôt vous intéresser, avec un excellent GP qui nous a été réalisé par Nano. Obscure Nano, tu connais. Et oui, les petits nouveaux de la Obscure qui sont arrivés il y a pas très longtemps, il y a moins d'une semaine il me semble, ou peut-être plus d'une semaine, tu vois, je sais même pas. Bah c'est vrai qu'ils sont quand même vraiment vraiment chauds, et la Furox ça fait quand même le bon choix pour recruter les players. En tout cas j'espère que ça te fait vraiment plaisir, puisque là le gameplay c'est un 140 gun streak sur Black Ops 3, donc justement il est franchement énorme le gameplay. Sur ce les gars, je vous invite directement à mettre un max de likes, et la dernière fois sur l'Obscure je crois qu'on a fait 600 likes sur ma vidéo, et bah là je vous demande la même chose, tu vois, le record de 600 likes à battre, en tout cas sur mes vidéos. Donc voilà le petit objectif, 600 likes sur la vidéo, et si tu veux tu partages, et la prochaine vidéo c'est encore moi qui la commente, quoique là je dis ça, peut-être qu'en fait j'aurai la flemme. Bon ok, là écoute, je sais que tu veux directement le sujet, tu dis ouais Andy, écoute ça fait longtemps, on t'aime bien, mais là on s'en bat les couilles, tu vois, je veux que tu commences la vidéo. Bah j'ai envie de te dire que... J'ai pas envie de commencer la vidéo, tu vois. Non sérieusement, bon allez bref, on va commencer le sujet qui va t'intéresser, je le sais. N'hésite surtout pas à débattre avec moi dans les commentaires, parce que je lirai vos commentaires. Et surtout, juste avant de commencer, check la description, c'est important, tu retrouveras toutes les informations. Comment contacter la Obscure, ma chaîne, la chaîne de Nano, sûrement la chaîne du Mia Maker, je sais pas. Abonne-toi à l'Obscure, bientôt les 40k, ça nous ferait vraiment super plaisir. Bon allez, t'as pété un câble, je sais, t'as envie que ça commence, c'est parti, let's go. Bon allez, t'es au courant, le prochain Call of Duty c'est World War 2. Et comme on le voulait, ils sont revenus à une guerre moderne à l'époque, et c'est ce qu'on voulait, parce que là le futur, c'est vrai qu'on en avait marre, pour tout dire. Il y en a plein qui ont pas acheté de Call of, même si Call of faisait encore beaucoup de ventes, je pense qu'ils en faisaient quand même beaucoup beaucoup moins que d'habitude. Et là j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on doit attendre de World War 2? Alors franchement, n'hésite pas à répondre à cette question dans les commentaires, ça me ferait vraiment super plaisir, et ça aussi, et ça rendrait aussi la vidéo active, j'ai envie de te dire. Ouais non, sérieusement, qu'est-ce qu'on doit attendre de World War? Déjà, on espère, et j'en suis quasiment sûr, qu'ils ont répondu à nos attentes. Plus de jetpack, plus de futur, on veut du moderne ou de l'ancien, et surtout du terre-à-terre. Parce que t'imagines mon gars, si tu retrouves l'UMP-45, si tu retrouves l'intervention, ça va être une dinguerie. Donc franchement, moi je pense qu'on doit attendre le terre à terre, ça c'est sûr et certain, c'est ce que tout le monde demande. Et là je pense que s'ils font ça, et ben ils sont quasiment sûrs de regagner l'audience qu'ils ont perdue, parce que c'est vrai que beaucoup de monde, hein, comme je l'ai dit, sont partis à cause de ça. Donc t'imagines, s'ils regagnent, ils vont être contents, ils vont se dire waouh, ouais, c'est ça qu'ils attendaient. Et oui les gars, c'est ça qu'on attendait depuis des années, c'est ça. Après j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on peut attendre? Peut-être des score streaks moins bizarres, j'ai envie de te dire, moins cheatés aussi. Des score streaks comme sur World at War, avec justement le drone, les chiens et l'hélico. Ou alors les score streaks comme sur MW2 ou Black Ops 1, avec la petite nucléaire sur MW2 qui était franchement, franchement nickel. Et elle passait crème, j'ai envie de te dire. La petite nuque là, mon gars, tu mettais Harrier, mitrailleur hélico, nucléaire, boum. Après, c'est vrai que s'ils font comme World at War, t'auras les score streaks imposés, donc forcément le drone, les chiens et l'hélicoptère. C'est pas mal, mais j'ai envie de te dire que j'ai pas trop joué à World at War, donc je peux pas trop mettre mon avis là-dessus. Et s'ils font comme Code 4, mon gars, avec Code 4, c'était pas mal, comme je vois pas ce mytho, c'était franchement un putain de jeu, avec le M40A3 et tout. Voilà, moi j'ai envie de te dire, personnellement, moi j'ai envie de m'attendre à quelque chose, à un mix entre Call of Duty 4, Call of Duty World at War, même si j'y ai pas joué quasiment, Call of Duty Black Ops et Call of Duty Modern Warfare 2. Et on va pas se mytho, c'était pas les meilleurs jeux de tous les temps. Et les gars, ceux qui ont 19, 20, 21, 22 ans comme moi, tu vois, ceux qui sont de ma génération, j'ai envie de te dire, c'était pas le bonheur, on est d'accord que c'était tellement bien, tu vois. À l'époque, on avait quoi? On avait 12, 13 ans, 14 ans pour les plus âgés. On était là sur MW2, ouais j'ai l'air, rien et tout, on va faire la nuque. C'était le kiff. Le seul truc qui nous faisait rager, on va pas se mytho, c'était l'UMP45. Mais on va pas se mentir que c'est quand même une arme vraiment, vraiment symbolique de Call of Duty. Et on aimerait la retrouver bien sûr sur World War 2. Franchement, j'espère énormément que ça reviendra comme à l'époque. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on doit attendre de World War 2. Ça, c'est nos attentes. Et j'espère, j'en suis même quasiment sûr que vous êtes d'accord avec moi. Sur ce, bah, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à y répondre dans les commentaires. Un maximum de likes, n'oubliez pas le record des 600 likes sur la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et les gars, une petite anecdote. Furox, il a dit qu'il était d'accord pour que vous m'envoyiez les gameplays et que ce soit moi qui les commente et que vous passez sur la Obscure. T'inquiète pas que ça me fera une petite pub et que tu verras que tu gagneras quelques abonnés. Si t'es chaud, bah écoute, tu m'envoies les GP, tu me contactes par Twitter. Hein, si tu connais pas mon Twitter, bah je sais pas, tu fais ce que tu veux. Enfin bref, voilà, Furox il est chaud, donc les gars, si tu veux, faites ça, envoyez les GP. Sur ce, un maximum de likes, un maximum de partages, un maximum de commentaires. C'était NJ, moi je vous dis à la prochaine.